Ah, c'est un plaisir de te voir. Ta beauté vient illuminer l'obscurité qui est devenue ma vie. Content de te voir aussi, Phidias. Bon, c'est important. Personne ne t'a vu venir ici, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? Bien, bien. Mais ils sont là, à observer, à attendre. Je suis en sûreté ici. Ah, mon bel innocent. Si seulement les dieux m'accordaient le temps de t'immortaliser dans le bronze. Tu auras le temps. Mais la trame de ma vie s'effiloche. Je vais avoir besoin de ton aide pour survivre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es en danger? L'autre jour, j'ai reçu une citale et un message. Quelqu'un t'a envoyé un bout de bois et une note. Effectivement, je comprends ta frayeur. Oh, mais c'est beaucoup plus que ça. Que disait le message? Il disait, tourne-toi vers ton art. Le roi des dieux te transmet sa volonté. Eh bien voilà, ce n'est pas un message. C'est tout juste une énigme médiocre. Mais c'est évident. Le roi des dieux. Zeus? Oui. Et que suis-je? Oh, les réponses ne manquent pas. Mais... j'imagine que tu es un sculpteur. Exactement. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bâton? Ce n'est pas un simple bâton. Les Spartiates utilisent la citale pour envoyer des messages codés. D'accord. Dis-moi plus sur ton bâton. Citale! Oui, oui, citale. Il faut que je trouve le code. Ensuite, je t'expliquerai le fonctionnement. Alors, où est-ce que je dois aller? Au temple de Zeus, bien sûr! Il est ici, à Olympie. L'indice relatif à la citale doit être près de la statue. D'accord. Si ça peut tracer René, je vais t'aider. Merci. Va vite examiner la statue de Zeus dans son temple afin de trouver le message. Lorsque j'aurai l'indice, je pourrai le déchiffrer avec la citale. Ne t'inquiète pas, je reviendrai le plus vite possible. Phidias s'inquiète trop, mais... il n'a peut-être pas totalement tort. C'est sûrement ce que cherchait Phidias. Je dois retourner voir Phidias pour qu'il puisse déchiffrer le message. Alors, que contenait le message? Il t'a fourni les informations que tu cherchais?
D'une certaine manière. Le message que tu m'as remis, je l'ai enroulé autour de la baguette. Tu l'as enroulé autour de ta baguette ? Oui, la citale. C'est ingénieux. Le bon message pour la bonne baguette. On enroule l'étoffe autour et les lettres s'alignent, révélant le message. Oui, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'il contient ? Ce sont des lieux ! Bon, ne me fais pas languir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? C'est une liste de statues et... il y a autre chose, mais c'est incomplet. Tu penses qu'on disposera du message complet après être allé voir toutes les statues ? J'en déduis que oui. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que tout cela reste secret. Peut-être que ça dévoilera l'identité de ceux qui cherchent à m'éliminer. Tu veux bien m'aider ? Dis-moi ce que je dois faire. Trois lieux sont indiqués. Chacune de ces régions abrite une statue d'un certain renom. Donc, normalement, sur chacune de ces statues, on trouvera un indice. Oui, mais le voyage sera long. Ces statues sont loin les unes des autres. Il y en a une près de Citer, une à Thasos et une autre à Samos. Je dois me mettre en route. Ça promet d'être long. Bien sûr. Et j'ai hâte de savoir où cela va nous mener. Tout comme moi. Sois prudent, Phidias. Toi aussi. Et reviens me voir dès que tu auras tous les indices. Tu peux compter sur moi.